Dans l'après-midi de ce jeudi, le 15 avril 2021, s'est déroulée la cérémonie de la remise des prix aux lauréats du prix littéraire Lumuri, qui était à sa troisième édition dans les enceintes du campus Mutanga à l'Université du Burundi. Au total, 23 candidats en provenance des universités publiques et privées ont reçu les prix, dont 15 prix dans la langue française, 5 prix pour les candidats en anglais et 3 prix pour les candidats dans la langue nationale, le Kirundi. Le mot du jour a été prononcé par le vice-recteur de l'Université du Burundi. Le CERAB, ici présent, monsieur le directeur des services académiques à l'école normale supérieure, messieurs les représentants des institutions de l'enseignement supérieur partenaires, qu'elles soient publiques ou privées, madame le directeur du Centre national de documentation, madame, messieurs le professeur, madame, messieurs membres du jury, distingués invités, chers étudiants, bon après-midi. Alors, c'est pour moi un lieu de plaisir de voir tout ce beau monde rassemblé ici en cet après-midi du 15 avril 2021 autour d'un événement extrêmement significatif et symbolique dans la vie de la communauté universitaire, à savoir la remise du prix littéraire Lumuri, et qui en est aujourd'hui à sa troisième édition. La direction de l'Université du Burundi tient avant tout à vous exprimer ses sincères remerciements pour avoir accepté de vous joindre à nous pour rehausser de votre présence cet événement, et sera malgré vos multiples obligations. Votre présence parmi nous témoigne en effet un signe éloquent, un témoignage de votre soutien et encouragement. Et je voudrais donc vous souhaiter la bienvenue la plus chaleureuse au sein de l'Université du Burundi. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers étudiants, pour la troisième fois, nous voici réunis dans cet amphithéâtre du campus Mutanga de l'Université du Burundi, ce haut lieu d'acquisition de savoir et de connaissances pour célébrer la remise du prix littéraire Lumuri dans sa troisième édition. En guise de rappel, le prix littéraire Lumuri a été lancé en 2014, année jubilaire de l'Université du Burundi. La première édition avait connu 21 participants, uniquement en version française, vous l'avez déjà entendu. Parmi les 21 nouvelles présentées, 4 ont été retenues par le jury, dont 3 pour les candidats de l'Université du Burundi et 1 pour un candidat de l'Université de Tanganyika. En 2015, des descentes sur le terrain ont permis de présenter le premier recueil de ce prix Lumuri dans des universités de Butega, de Ngozi, mais aussi de Bujumbura. Et une distribution des exemplaires de ce même recueil a eu lieu en faveur des différentes bibliothèques des universités publiques et privées du pays. La seconde édition de 2017 a connu 69 participants, dont 33 qui avaient concouru en langue anglaise et 36 en langue française. 8 auteurs et leurs œuvres ont été en définitive primés pour cette deuxième édition, dont 4 en anglais et 4 autres en français. Malheureusement, les stigmates de la crise qu'a connue le Burundi en 2015 n'ont pas permis à ce que les encadreurs et les compétiteurs du prix littéraire Lumuri gardent le même cap et restent sur la même lancée pour l'organisation des compétitions, à telle enseigne que les productions de la troisième édition, qui devaient être présentées en 2018, ne le sont qu'aujourd'hui, soit en retard de 3 ans. Mais comme on le dit si bien, vaut mieux tard que jamais. Et madame, messieurs, distingués invités, pour ce qui est de l'organisation de cette troisième édition du prix Terre Lumuri, un jury de 15 membres par section linguistique, c'est-à-dire le Kirundi, donc le français et l'anglais, a effectué une sélection rigoureuse parmi un grand nombre d'œuvres, dont 45 en français, 18 en anglais et 5 en kirundi, soit un total de 68 textes qu'il fallait lire, analyser et classer. Un comité d'organisation de 6 personnes et un jury de 15 membres ont été mobilisés.
au terme de débats et discussions constructives. Et à l'issue d'un intense travail de sélection, les jurés ont proposé 23 textes à primer, dont 15 en français, 5 en anglais et 3 en langue kirundi. Ce sont donc les auteurs de ces textes-là qui vont recevoir tout à l'heure leur prix. La présente édition présente une particularité par rapport aux éditions antérieures. Elle a en effet connu une plus grande participation de lauréats de sexe féminin, et c'est une grande innovation, mais également d'universités diversifiées, j'en ai compté je crois jusqu'à 8, ce qui est également une première par rapport s'ouvrait aux deux éditions antérieures. Mais elle a connu et surtout, c'est très important, l'introduction dans la compétition de la langue kirundi, qui est la langue maternelle pour la grande communauté universitaire burundaise. Ce prix constitue alors une nouvelle fenêtre qui s'ouvre dans le paysage narratif pour le kirundi, et nous espérons que l'Académie Rwandi, récemment mise en place par notre ministère, ne fera qu'encourager et soutenir cette initiative qui vise à promouvoir cette langue. Ce prix Terre Rumuri, partie intégrante des activités socio-culturelles de l'Université du Burundi, se veut non seulement de contribuer à l'échange culturel entre les milieux académiques burundais, francophones et anglophones, et l'Université du Burundi, mais il se présente également comme l'unique cadre d'encouragement de la création littéraire et de détection des talents dans ce domaine, non seulement au sein de cette Université du Burundi, à travers sa faculté de sciences humaines, dont le doyen est ici parmi nous, mais aussi pour d'autres universités publiques et privées basées ici au pays. Ce prix se donne en définitive la mission de contribuer à la promotion de la culture d'excellence au sein de la jeunesse, ainsi que l'amour de l'écriture. Distingués invités, mesdames, messieurs, chers étudiants, pour beaucoup, et nous en faisons certainement partie, le cœur de nos ambitions est la visibilité de notre université qui aujourd'hui, à travers ce prix littéraire, est constituée par cet ensemble de prix et de reconnaissances diverses par lesquels chaque année nous encourageons la création scientifique, culturelle, artistique et littéraire, à l'Université du Burundi en particulier, mais aussi dans d'autres universités du pays, qu'elles soient publiques ou privées. Concrètement, notre intention est de repérer, chaque fois que c'est possible, le talent naissant, l'œuvre méconnue, l'action culturelle discrète. Voilà pourquoi la remise de ce prix est, à nos yeux, infiniment précieuse. En tant qu'université de référence du pays, avec la création et l'organisation annuelle de cérémonies comme celle-ci, l'Université du Burundi reste ainsi fidèle à sa double ambition, qui consiste à être une institution d'enseignement et de recherche de qualité visant l'excellence et l'innovation pour le développement du pays, mais aussi qui consiste à rayonner au niveau régional et international via les partenariats avec d'autres institutions d'enseignement supérieur, qu'elles soient nationales, régionales ou internationales. Les prix que nous remettons aujourd'hui jouent un rôle d'abord de récompense majeure. Nos récompenses sont un encouragement majeur pour les créateurs qui souffrent parfois d'un certain isolement. Ces récompenses contribuent à ancrer nos artistes dans la grande famille de l'expression française-anglaise, sans oublier burundaise. Dans un domaine comme la recherche, elles sont essentielles car elles apportent un soutien décisif à des créateurs qui ont souvent le plus grand mal à faire prendre leur travail en considération. Elles apportent aussi des moyens financiers à des artistes qui subissent des conditions de vie difficiles et parfois abandonnent de créer dans des environnements où leurs œuvres sont peu ou mal rétribuées. Nous pensons en particulier aux difficultés de l'édition. Ce n'est qu'une petite récompense pour un travail colossal, mais pour ceux qui ont dû traverser de longues heures de concentration et de solitude pour bâtir leurs œuvres, elle est en effet significative. Au nom donc de la direction de l'Université du Burundi,
Nous tenons à féliciter tous les récipiendaires qui ont bien voulu participer à ce concours Prix littéraire Omori, 3e édition, pour leur contribution à la culture burundaise, à la littérature française et anglaise, qui constituent en effet les trois principales langues enseignées et d'enseignement au Burundi. Nous voudrions redire devant les étudiants ici présents et d'autres délégués que dans la continuité de leurs aînés qui ont participé aux deux premières éditions du prix littéraire Omori, ils ont cette tradition littéraire à porter plus loin et plus haut. Ils n'ont pas baissé les bras dans une compétition sous prétexte qu'ils ne pouvaient pas tous terminer premiers, ce qui aurait été en effet incompatible avec l'esprit scientifique et universitaire qui veut qu'en compétition, il y a toujours un premier et un dernier, et que l'important est de ne pas être le second de soi-même. Par la même occasion, nous interpellons les autres étudiants ici présents, et c'est à vous que je m'adresse, chers étudiants, qui n'avaient pas encore intégré le cercle des compétitions du prix littéraire Omori, que l'Université du Burundi organise chaque année, de se hâter, donc de vous hâter, et de vous préparer pour que la prochaine édition soit couronnée de succès grâce à votre entière et surtout massive participation. Et nous profitons de cette occasion pour remercier l'Association des écrivains du Burundi qui, année chaque année, soutient la mise en œuvre de cet événement. Que les différentes représentations diplomatiques trouvent ici les remerciements, en l'occurrence l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Burundi, mais également celle de la République française pour leur soutien indéfectible à cette initiative. Nous remercions sincèrement l'ensemble des jurés qui, depuis le début, assument cette charge et ce travail de relecture, d'analyse, de critique et de confrontation de manière à faire émerger une œuvre et un écrivain en opérant une sélection pertinente. Nous profitons de cette occasion pour féliciter et encourager les membres du comité d'organisation qui ont fait montre d'assiduité, de courage et d'abnégation. Nous les remercions vivement pour leur contribution incontestable. Cela témoigne en effet, mesdames et messieurs, de votre sympathie à l'égard des écrivains, de votre soutien constant aux arts et à la culture. Depuis le début de cette heureuse aventure qu'est le prix littéraire Omori, vous suivez avec un vif intérêt les œuvres de nos candidats et à travers elles le rayonnement de nos établissements d'enseignement supérieur, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, et cela mérite vraiment d'être souligné dans un tel moment. Je ne saurais en effet oublier de remercier M. Aminadab Habyarimana, qui est l'un des initiateurs de cette initiative, de cette entreprise, qui est l'organisation du prix littéraire Omori, et qui en reste toujours le principal artisan et qui ne ménage aucun effort pour que cette aventure se poursuive. Et Monsieur Aminadab, recevez les remerciements, n'est-ce pas, de la direction de l'Université du Burundi, qui vous prie de tenir bien et qui vous promet tous les encouragements, tout le soutien possible. Voilà donc, mesdames et messieurs, je sais par ces mots d'encouragement, de remerciement, que je termine mon propos et je vous remercie.